C'est tout. Il ne s'agit pas d'aller attaquer Ansou Damaro. Ansou Damaro n'a rien fait. Ansou Damaro et les RPGistes nous ont soutenus. Ansou Damaro et les RPGistes nous ont soutenus. Quand l'affaire a commencé, toute la Guinée, tout le monde a soutenu le président, la majorité. Hier, c'était samedi. C'est-à-dire, quand ils ont vu que l'affaire là, le buzz là, ça n'a pas marché, tout le monde est en train de soutenir le monsieur, ils ont vu leurs charlatans, leurs féticheurs, qui leur ont dit, on va faire le travail. Comme hier, c'était samedi, ils ont fait le travail satanique pour encore envenimer les choses. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ils ont commencé? Pourquoi ils sont venus pour répondre le samedi? C'est quelque chose de préparé avec leur marabout, leur féticheur. Aussi simple que ça. Si vous voulez qu'on vous laisse manipuler dans le mensonge, on va vous laisser qu'on vous manipule dans le mensonge. Aussi simple que ça. On va vous laisser vous manipuler dans le mensonge. Voilà. La femme de Charles a pleuré. C'est facile. C'est une femme. Quand tu entends une femme pleurer, ça te touche. Ça te touche au fond de toi. Mais il y a des questions que vous devez vous poser. Charles White, il a deux maisons. En tout cas, deux résidences. Elle-même, elle a dit dans sa vidéo, préenregistrée qu'elle a publiée hier, ce qui a choqué tout le monde hier, elle a dit qu'elle, elle résidait à la minière. Qu'elle était à la minière. Elle-même, elle a dit ça. Qu'elle résidait à la minière. Et Charles White était avec qui à la minière? Si c'est pas elle. Si c'est pas elle. Pourquoi Charles White va dire que c'est ma femme qui a fait sortir cette vidéo? Pour quel intérêt? Maintenant, la vérité que vous ne savez pas. Cette femme-là, toi là, tu sors avec KPC et tu veux sortir pour tromper l'opinion, c'était mieux de te taire même. C'était mieux de te taire. Le silence. Mais comme le gars, voilà, il a dit qu'il faut que tu parles, tu es sorti parler. Ce que tu es venu me dire, je n'ai pas publié ça. Pourquoi elle est partie ailleurs? Parce que ce qu'elle m'a dit, moi je n'avais pas publié. Comme elle a vu que je n'ai pas publié, elle est partie ailleurs, raconter à sa façon, à son faveur. Aussi simple que ça. C'est pourquoi le gars qui lui posait la question, est-ce que je te forçais à dire? C'est-à-dire le gars insistait pour qu'elle dise, est-ce que je t'ai forcé à dire tout ça? Le gars insistait sur ça. Voilà. Aussi simple que ça. C'est moi qu'elle est venue voir en premier lieu. Quand j'ai fait vidéo, j'ai parlé de son histoire, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, j'ai dit d'accord, attends, je vais mettre ça, je mets l'enregistrement, tu expliques ton problème. Dans la passion, elle est animée, elle a même dit des choses qu'elle n'a pas dit là-bas. Elle a dit que c'est elle qui a entretenu la maîtresse de son mari. Elle a dit, vous l'avez écouté, l'audio. Et là-bas, elle est partie dire qu'elle ne connaît pas la fille. Qu'elle n'a jamais connu la fille. Ah! C'est quelle malhonnêteté ça. C'est quelle hypocrisie ça. C'est-à-dire, elle me dit à moi, elle nous dit, si j'avais fait sortir l'audio, vous allez avoir ça. Elle n'en est pas partie sortir, partir ailleurs. C'est Dieu qui te frappe. Parce que si elle m'a dit que c'est elle qui a soutenu la maîtresse de son mari, c'est elle qui entretenait la maîtresse de son mari. J'ai même mis le titre ici, j'ai mis le nom de mon gars en haut là-bas. Et pourtant, je parle même pas trop de lui. Je dis aux militants de l'UFDG, les gens qui sont en train de faire vidéos sur TikTok, vous attaquez Ansou Damaro, laissez Ansou Damaro. Ansou Damaro nous a honorés. Le gars nous a honorés. Il a respecté la dignité de notre président. On doit le respecter, on doit l'aimer. Aussi simple que ça. Est-ce que vous comprenez? Aussi simple que ça. Voilà. Donc, la femme, elle vient m'expliquer une version que je devais publier. Elle a vu que je n'ai pas publié. Parler d'en parler,
lui là, il n'est pas favorable pour publier ça. Si vous avez vu au départ, elle sait qu'elle était enregistrée. Elle a pleuré. Pour que, comme les pleurs là qu'elle avait, hein, comme les pleurs de manipulation là qu'elle a fait. Maintenant, comme je n'ai pas publié, elle est partie ailleurs. Et ailleurs là, elle a oublié de dire que tout ce qu'elle m'a expliqué à moi, elle est partie se contredire là-bas. Maintenant, pour vous mettre dans la vérité, moi j'ai fait sortir l'audio. C'est moi qui ai fait sortir l'audio entre elle et moi. Moi, je n'enregistre jamais quelqu'un sans son consentement. Moi. Mais vous me voyez régler des dossiers comme ça, des problèmes comme ça. Je viens, je mets les audios. Hein? Si la personne, quand je suis occupé, je ne veux pas parler au téléphone avec la personne. Je dis, envoie-moi les audios, tu expliques. J'ai beaucoup de dossiers comme ça dans mon téléphone que je n'ai même pas publié. Ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois. Parce qu'il y a des dossiers, quand j'écoute moi-même, je dis non, ça c'est pas la peine de publier. Parce que c'est des trucs qui vont gâter des familles, des liens. Mais si la personne maintenant, hein, moi j'ai pas publié par ailleurs, et se contredit elle-même là-bas, c'est tout. Se contredit elle-même là-bas, c'est son problème. Moi j'ai fait sortir ce qu'elle m'avait dit. Aussi simple que ça. Donc, on doit respecter notre frère Ansou Damaro. Big respect à toi. Et Ansou et moi, on travaille en connexion. Je ne fais rien sans le dire. Il ne fait rien sans me dire. Les gens veulent nous voir aujourd'hui opposés pour que ça crie, pour que Ragnalari. Ça ne va jamais arriver. Voilà. Si on a des choses à régler entre nous, on règle ça entre nous et moi et Ansou. D'abord, quand la femme de Charles est venue me voir, elle est avec une de ses copines, la sœur de Macanera, une fille là qui dit qu'elle sait parler là. Quand elles sont venues me voir, moi je n'ai pas réagi. Et ils sont partis voir Ansou. C'est Ansou qu'elle voulait mettre dans les conneries comme ça. Mais Ansou n'a rien compris. Ils sont partis voir Ansou. Et ton ami Yaji, elle est sortie, il a dit ceci. Nambirara, Moulenara, Nondimara. Ansou m'a appelé, j'ai dit, elle m'a appelé. J'ai dit à Ansou, elle m'a appelé. Ansou a dit, ok. Moi et Ansou, on parle. Si il y a quelque chose. C'est-à-dire, les gens nous appellent pour nous manipuler. C'est-à-dire, on sort pour se contredire. Par exemple, Ansou sort pour dire quelque chose là, tout de suite. Quelqu'un, la même personne qui est partie là-bas, vient me dire aussi autre chose pour que je parle, je sors pour contredire Ansou. Vous pensez que vous pouvez parvenir à nous diviser, pour nous décrédibiliser comme ça? Et Mouya Langri, et on va maintenant en décrédibiliser. Hein? Et par fini, tous les messages vocaux qu'elle m'avait envoyés, elle est partie tout supprimer là-bas. Elle est partie tout supprimer. Et à Chakaba. Tu es parti tout supprimer. Hein? Il ne l'a Doundou. Tu devais te taire. Tu devais te taire. Hein? J'explique. La vraie vérité qu'on veut transformer. Charles White, qu'il soit ministre de la Justice, qu'il soit quoi pour Mamadi, qu'il met qui en prison. Hein? La dignité humaine, on doit respecter ça. La dignité humaine. Vous avez entendu dans l'audio, elle-même, elle a dit que c'est elle qui a entretenu la maîtresse de son mari. Et elle-même, elle a dit que KPC l'envoie 5000 euros. Posez-vous cette question. KPC peut l'envoyer 5000 euros. Ok. Et elle-même, dans la même conversation avec moi, elle a dit que même si je couche avec KPC, c'est mon mari qui a donné l'occasion. Pourquoi elle va dire ça? Pourquoi elle va dire ça? Hein? Si tu vois une femme qui entretient la maîtresse de son mari, c'est que la femme-là ne ressent plus, n'a plus d'amour pour ce mari-là. Parce que une femme, quand elle aime son mari, wallahi billahi tallahi, elle ne va jamais accepter de partager son mari. À plus forte raison, avec sa coépouse, elle ne partage pas, elle n'accepte pas de partager avec sa coépouse, à plus forte raison avec une maîtresse, une fille qui est dans la rue. Hein? Ton mari a été honnête avec toi. Parce que les hommes aujourd'hui, hein? Les hommes aujourd'hui sont partis et sont beaucoup dans les différents foyers qui, hein, enceintent des filles, des petites filles, qui ont des amants dans la rue. Hein. Après, leur femme n'est pas au courant. Leur femme n'est pas au courant. Beaucoup de hommes font des enfants dehors.
sans que leur femme ne soit informée. Toi, au moins, ton mari a été honnête avec toi. Il t'a dit, ah, j'ai enceinte une fille. Et il t'a présenté la fille. Quand il t'a présenté la fille, hein, la fille, toi-même, tu as entretenu la fille. Après, tu pars dire que ton mari t'a trompé avec la fille, que toi, tu n'as jamais connu la fille. Alors que moi, tu m'avais dit que là où tu vas dire que c'est la vérité, mon mari m'avait dit que la fille là, c'est lui qui l'a enceinte. Donc, j'ai soutenu la fille. Toi-même, tu as dit ça. Pourquoi tu pars dire encore, mentir, que tu n'as jamais connu la fille et que c'est ton mari qui te trompe? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour que l'opinion dise que c'est toi qui as raison? Pour que les gens ont pitié de toi? Pourquoi, Edanabam? Pourquoi tu as fait ça? Il fallait te taire. Il fallait aussi simplement te taire. Aussi simple que ça, il fallait tout simplement te taire. Charles White n'est qu'une victime. Moi, Charles White ne m'a jamais payé pour que je vienne parler à son nom. Jamais de la vie. Je mets le Saint-Coran. Si je rentre, que Dieu ne me donne pas le paradis. Charles White ne m'a jamais payé. Parce que c'est ce que les gens pensent. Mais la vérité reste la vérité. Aussi simple que ça. Si tu vois une femme qui entretient la maîtresse de son mari a enceinté une fille dans la rue, qui va entretenir cette fille, il faut dire que cette femme n'aime plus son mari. Cette femme maintenant, elle a pris position, son propre intérêt. Son propre intérêt. Son propre intérêt. Maintenant, ce que Charles White a expliqué dans sa vidéo, Charles White a dit que c'est sa femme qui a remis vidéo à KPC. KPC, vidéo donnée à, comment on appelle, Lamine Guirassy. Charles a lancé des poursuites pour corruption. A lancé des poursuites pour corruption. Maintenant, tout le problème aujourd'hui qui a créé tous ces problèmes-là, qui l'a créé, si ce n'est pas toi, Eta Achakaba, Eta Gama créé. Parce que au départ, ton mari t'a dit, ah, c'est mon frère. Moi, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas un ministre voleur. Il va s'occuper de toi. Ok, il n'y a pas de souci. Si tu ne voulais pas ces problèmes-là aujourd'hui, tu allais dire carrément à ton mari là-bas, si c'est un autre homme qui va me prendre en charge, ce n'est pas toi, je ne veux pas. Il y a ces femmes-là qui refusent. Toi, tu ne pouvais pas refuser. Guinée Nabé, il y a beaucoup de femmes dans le live là. Beaucoup de femmes dans le live là. Hein? Une femme qui n'a pas d'ambition, qui ne veut rien d'un autre homme. Même si, je dis bien, même si quelqu'un d'autre vient te donner un building, quand tu aimes ton mari, tu vas dire je ne veux pas, mara souma. Même si mon mari n'a rien, je préfère le peu qu'il gagne. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui ont préféré dormir dans les taudis avec leur mari. C'est ça la vérité. Quand tu acceptes de prendre 50 millions de francs guinéens d'un autre homme, et que cet homme part te rendre visite à l'hôtel, paye, si cet homme te dit quelque chose d'avance là-bas, tu vas céder. La vérité reste la vérité. Tu vas céder. La vérité, c'est la vérité. Maintenant que l'affaire est sortie, elle veut mettre tout sur son mari. Elle veut mettre tout sur son mari. C'est ça la vérité. Si on va céder, on va céder dans la vérité. Si on va céder, on va céder dans la vérité. Les femmes, vous êtes là dans le live. Imoua ma ramena. Ira ramena mouna ramena ranna. Ira ramena fala. Anarati itam boumma. Pe. Kheta moua ma na fi roi ma fala me ra ramena bemeni. Moua raba ma. Parce que ramen, Guinée mouta ou ma ramena. Ka ou mouna sosoru kolo. Guinée mouta ou ma ramena. Guinée mouta ou ma ramena. Alo soube to mouta ou ma barilla. Il a fallu carrément, je ne veux pas, je ne veux rien de lui. C'est toi, mon mari, même si tu gagnes 100 francs, je veux me truquer à ces 100 francs-là. Mais, Anabara Fini ministre, comme ministre Tona Anara, non? Donc, il n'a qu'à voler tout l'argent du département de la justice de la donner là-bas. Parce que, voilà, et Bara Sarah, il est là, ça a Anabara Fini ministre, ton mari est devenu ministre. Il n'a qu'à te donner des milliards. C'est tout simplement ça. Vivre le vie, voilà, que voilà, les autres sont morts. Oh, qui n'a pas vu affaire de Titi Camara ici sur KPC? Qui n'a pas vu? Non dit, oulé. Aïssa Mere Sende, Mera Sende. A
awa fegbete la minima wobe. O dundu manama ma bouche be. Oh, mouse, e a kolon, e bara mera gine entretenu. Fe bara sende, abara mini kenema, e mou dorme dundu, beni mangane bende, manigan se rabara, pour faire transformer la vérité au mensonge, ora oule, ora non di fini oulera. Regarde, elle est partie, elle attend la interview, elle cherche à se justifier. Il était quand justifié, ma moussema. Il t'en dorera, mais. Rachal Barafalame Rebe, il a dit aux gens que c'est toi qui as fait sortir cette vidéo-là. Ita Kolo, Ita Mara, pourquoi tu vas venir te justifier devant la face du monde? Tu dis que tu t'es donné à Dieu, tu as donné à Dieu. Quand on donne à Dieu, on ne parle pas, on se tait. Parce que quand on donne à Dieu, Dieu, lui, il n'oublie pas, il ne se trompe pas. Il ne fait pas d'erreur. Quand on donne à Dieu, on s'abstient. Et la vérité finit par triompher. Aussi simple que ça. Mais faille ouler falanta. Il n'en dit falanta. Et c'est que ça ouler fala réseau. Oui, parce que au départ, quand ça m'avait tiqué, j'ai dit bon. Mais la fille là, elle ne me dit pas tout. C'est pourquoi Mara audio ramené. Aussi simple que ça. Championne à manipulatrice. C'est ça la vérité. Championne en manipulatrice. Hein? Maintenant, Gibri Mbaradaba, ça s'est passé. Ok. Pour quelle mouche Mundunga s'est empiqué, Arera Wayem pour te justifier. Si tu sais que tu as raison. Si KPC aussi sait que il n'y a eu rien entre toi et KPC, et que toi aussi sais que il n'y a rien entre toi et KPC, hein? On a parlé le nom de la femme de Titi Camara. À cause de KPC, Titi Camara a divorcé de sa femme. Tout le monde savait que c'était la vérité. Titi Camara avait des preuves palpables. C'était sorti aux yeux de tous ici. Ndemunato. Hein? Wo garuma. Ah, parce qu'à bananara. Ora sousa la yara. Hein? Ngraimara banayama. Attendez. Antoine a une position. Ma Charles Milliard n'en sourouni. Cessez, Charles ma sourouni. Non, dit n'en défendu fait Allah. Allah! Nana miri sare fima. Adam a dit ramon miri sare fima. Pore. Milliard. Moussé milliard. Milliard. Cesse mou milliard ra oule. Non di yagori. Milliard. Cesse mou. Milliard ra non di yagori. Réwa me miri. I miri 100 milliards sare fira. Minin tangeli ma réseau ma. Je m'en fous. Si tu sais que tu. Y'a rien entre. Y'a eu rien entre. Tite la femme de Charles et toi. Pourquoi? Ronoma. Pourquoi? Pourquoi ça te remue? Pourquoi ça te fait brrrr? Et tu es arrivé à la père de famille, Nanera. Aujourd'hui, tu as un niveau hein, qui représente la Guinée. Parce que tes publicités passent sur Canal Plus. On parle de Guico Press, champion de BTP. Tu es représenté partout. Et t'as la manette. Toto, avec tout ton statut là, tu t'abstiens de faire quelques trucs. Allo dit modèle, il y a la couille. Après, quand on parle, les gens parlent de ça, il y a la couille dans, il faut le laisser. Il y a la couille. Avec tout ton statut, il est abstenu. Il faut prendre tout simplement une deuxième femme. Il faut prendre une troisième femme. Il faut prendre une quatrième femme. Mais Biling, il fait modèle fort. Aussi simple que ça. Et ton amato fini. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Non dit. Aussi simple que ça. Et ta miri bigné modèle. Miri kalanke mes modèles. Miri belle modèle. Bon recoui. Il rira fala. Il fait malo. Il fait boro recoui. Hein? Regarde. Cela. Comment ça va affecter tes enfants? Même quand je viens, je parle de ces sujets-là. C'est-à-dire, quand je finis, ça me met mal à l'aise. Parce que je suis père de famille, j'ai des enfants. Je pense à ces enfants. Aussi simple que ça. Quand on est responsable, on fait des choses responsables. Voilà. Donc, toute la vérité dans cette histoire, la fille Aïcha Kaba, tout ce qu'elle a raconté dans l'autre audio et ce que vous avez écouté avec moi, vous avez vu ces deux choses différentes, non? Elle ment. Pourquoi? C'est elle qui a pris vidéo là, elle a donné à KPC. KPC a donné vidéo à la mine Girassi. Comme ce que vous avez entendu Charles le dire.
Pourquoi elle est là-bas? Là où vous devez croire que c'est elle qui a donné vidéo à KPC, parce que la même personne a accepté de prendre la maîtresse de son mari. La maîtresse de son mari. Elle a pris la maîtresse de son mari, elle l'a entretenue, elle l'a nourrie. Quelle femme va faire ça? Hein? C'est parce que hey, elle n'avait plus d'amour pour Charles. Seul le statut de ministre de Charles l'incombait maintenant. Donc, il fallait que le robinet, ça coule à flot à Agbesoto. Là où elle dit là, je l'aime, c'est rentré, sorti comme ça, je suis follement amoureuse de lui, je l'aime plus que tout. C'est des conneries. Quand on aime son mari, on ne va pas accepter qu'un autre homme te prend en charge. Jamais. On ne va pas accepter qu'un autre homme te prend en charge. Oh. KPC fait une guébine là-bas, ou t'as mouné au coulon. Mais il fait une guébine falama. Pégibine, on va finir de rouler là. Gibine, on va finir de rouler là. Titira Guinée Rafé, on va finir de rouler là. Betera Guinée Rafé, on va finir de rouler là. Hein? Un père de famille, parce qu'on va dans toi là. Hein? Dossier n'a pas de béki. À Dounia, preuve à l'appui, on a ma téléphone qui. Preuve à l'appui, on a ma téléphone qui. Nara, mais l'on est. Maman dit frontière est dans Balam. Maman dit, il va fermer les frontières. Mais yo mou minima. Mais yo mou minima. On a fallait, ben. Il a mara, rabanaya, nara, ou bien. À la Guinée, bon, il a fait nara. Aussi simple que ça. Donc, vous me connaissez. Depuis 8 ans, je suis dans le blog. 8 ans! Un jour, vous n'avez jamais vu quelqu'un à faire sortir audio pour dire que ah, c'est Agi qui m'a enregistré, il a publié ça sur les réseaux sociaux. Vous n'avez jamais vu. 8 ans. C'est pas 8 jours, mais 8 ans. Vous n'avez jamais vu. J'enregistre jamais quelqu'un, moi. Je suis fier de ça. Jamais Marabam. Voilà. Jamais. Elle est venue faire son témoignage, elle a publié. Elle a vu que j'ai pas publié, elle est partie faire témoignage ailleurs, et là-bas, elle s'est contredit. M'fato, Anaram Falak, mais ce qu'elle a dit là-bas, et ce qu'elle m'a dit, moi, c'est 2 choses différentes. C'est pourquoi j'ai fait sortir notre audio. Maintenant, je l'ai publié. Parce que Mouna Konori a ça, ma page. C'est ça. Aussi simple que ça. Donc, s'il vous plaît, à la baie, les militants de l'UFDG, laissez Ansou en paix. Ansou n'a rien à voir. Ansou nous a soutenus. C'est un élément clé. C'est un combattant, vrai combattant. Le RPG, l'UFDG aujourd'hui s'est donné la main pour faire un combat commun. Le combat commun, c'est Jordan. Le combat commun, c'est le régime de Jordan. Le combat commun, c'est ça. Ce n'est pas être UFDG, ce n'est pas être RPG. Jamais, Mouno Ansoumou Minima Bemouna Moumboro clashé. Jamais. Jamais, Mouno Ansoumou Minima Bemouna Moumboro clashé. Jamais. Voilà. Zende, patati, patata, oro, oro, oro. Il est rentré, sorti comme ça. Nanga m'a dit, même pas. KPC n'a pas faux compte. Le Kalo Mahamoudou là, c'est faux compte de KPC ça. Ça, je vais te bannir. Et on va m'entamouya à faire bien un colo. Bientôt, vous allez aller en prison. C'est KPC, son faux compte. N'ta n'ira faire bien un colo. Il t'est m'a dit, il y a les mambele reine. Et tu marches dans ma main. Voilà. Je n'ai rien contre toi, tu m'as rien fait. Rien contre toi, tu m'as rien fait. Rien contre toi, tu m'as rien fait. Il nous faut une faute contre quoi. Ce qui reste clair, la Guinée fait. Si on va céder, on va céder dans la vérité. Sinon, c'est fini. Aussi simple que ça. Au nom de Mali, Manon dit Namfari. Kanon Dimara, on a le mec. Kanon Dimara, on laisse tomber. Voilà. Voilà. Si tu sais mettre quelqu'un en prison, Charles est là-bas. Charles est là-bas. Charles a dit ton nom. Il a dit KPC. Il a cité ton nom. C'est sorti. C'est sur tous les réseaux. Si tu sais mettre quelqu'un en prison, KPC, ça Charles Sageli, bah. Trop c'est trop le gars là. Quand tu entends des trucs bordéliques à Ril Yameni, hein, les gens t'ont laissé en paix. Quand on envoie les trucs, transition Birin, il les arnaque. Transition Birin. Et on m'a dit, ah, les dossiers de notre trésor public, nga yaba, nga preuve, on m'a dit,
Tandal fa konde, kasori na problème na mbirin kuiki, tanara, yo mangana na nyaba mege, ben nara mini. Tout le problème que Kassori a aujourd'hui, c'est toi. Tu veux que je dise ça? Ou bien tu veux que je fasse sortir ça? Parce que tu es parti tromper Kassori. Kassori t'a fait confiance en tant que frère. Il t'a donné l'argent de notre trésor public. Il t'a donné l'argent de notre trésor public. Abirinaini, j'ai tout ça. Je n'ai rien contre toi. Tu ne m'as rien fait. Et wali nana ya harang. Aussi simple que ça. Et avec preuve à l'appui, ça existe. C'est dans mon téléphone. Khali imuseraba. Ma téléphone n'a rien. Tout. Ça ne va jamais disparaître. Jamais disparaître. Voilà. Aussi simple que ça. Ibara sauve. Ibara famé ravi. Ok. Ni malef. Ni malifene. Volontairement en tant que frère. Parce que quand tu veux aider quelqu'un, tu aides la personne. Si c'est sa femme que tu as entretenue, quand tu pars même dans le pays là, il faut même pas voir cette femme. Pourquoi tu vas aller la voir? Si tu n'as pas quelque chose derrière la tête, pourquoi tu vas aller la voir et l'envoyer dans les hôtels? Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui aident les gens sans qu'ils ne voient la personne. C'est ça. Non di, woule. Inere degema. Nere mounome yete kan soutenu de. C'est ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Ne nan woule fala mebe. Al kolera dondoron tu soye rado. Nta ta mountanane. Moi je suis pas ça de. Je suis pas ça. Donc, on suit le dossier et au fur et à mesure, et Birama fait fort, au fur et à mesure, fait minimanekine. Est-ce que vous allez comprendre? Voilà. Parce que là, je suis en train de parler. C'est moi que vous voyez. Awa onu bete fanto loronere. Là, t'en bouche Bénard. Aussi simple que ça. Donc, s'il vous plaît, laissez Ansou en paix. Ansou n'a rien à voir. Ansou, c'est notre gars. Voilà. Il respecte notre président, il a toujours respecté, comme je respecte le professeur Prak, le bâtisseur Alpha Condé. Voilà. Jamais, jamais, personne ne va nous diviser ici sur les réseaux sociaux. On va se clasher. Jamais. Le combat commun, c'est Jordan. Aussi simple que ça. Voilà. Pour Naomboro Malima, non dit dans Farira, non dit Mara, bye bye, Woule, Mayama. Voilà. So Sweden nana soronti mirima fala mambe ira bari mali mumma bari mali ma wule fari mara baba voilà mumma bari mali ma wule fari go parce que alantori kanondi nana bafe anondi dara na mali ala barka samane ala manduba mais ira bari mali ibari bore dara amali ifa nga mali mara baba.